Gerald Holubowitz a décidé d'enquêter sur l'impact de tout cet argent. Ce photographe français documente depuis 6 ans la vie politique américaine, de la montée d'Obama au mouvement Occupy. Son dernier projet, un exposé sur l'argent dans la politique américaine. C'était, à notre sens, ce qui vraiment... était en balance là sur les élections américaines de 2012, c'était la place de l'argent et le fait que l'argent soit aujourd'hui égal à la liberté de parole. Et donc liberté d'expression aujourd'hui égale argent. Plus on a d'argent, plus on a de liberté d'expression. Une des premières étapes de son enquête, Washington, où il rencontre Sheila Kornholz et son équipe d'Open Secrets. On analyse les données. On identifie chaque don. Elle dirige un groupe non-partisan qui retrace les contributions politiques. Chaque jour, on compte les millions donnés par qui et qui les dépense. Parce que pour suivre l'argent à Washington, il faut creuser. Selon la loi, il ne devrait y avoir aucun lien entre les super PAC et les candidats. Mais regardez bien ce qui se passe vraiment.